Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter le Skarn. Donc le Skarn c'est un mob tellurique, il est bien casse-couille et il a une armure de pierre autour de lui. Donc exceptionnellement cette fois-ci je vais pas prendre l'épée, mais je vais prendre par exemple une autre arme que j'avais pas présentée, les cestes. Donc ces cestes vont être parfaites parce que contre le Skarn, si vous prenez des chaînes lames ou alors par exemple des épées, ça va pas le faire, vous allez pas du tout faire de dégâts, ça va être infernal. Alors qu'avec les cestes, les marteaux, etc., vous allez en faire beaucoup plus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Il est assez lent et plutôt défensif. Donc c'est parti. Par contre sur ce stuff, j'ai pas précisé, mais sur le stuff des cestes, là il y a deux transmog. Donc vous voyez là j'ai deux parties des lions, donc c'est les gants et les bottes. Donc mon stuff ressemble en réalité à ça. Voilà, donc c'est pas un stuff du tout exceptionnel hein. Parce que regardez, c'est là j'ai chasse rage et domination que j'ai pas assemblé par exemple. C'est pas du tout un stuff opti, mais il est assez plaisant à jouer, il fait quand même un minimum de dégâts. Là franchement je le trouve sympathique. La jouabilité est très bien. C'est pas vraiment du gros farm pour faire full dégâts en faisant bien attention à son endurance, etc. Là vous pouvez y aller. Ça serait vraiment bien. En fait je dis ça notamment par rapport à la constitution qui régénère votre endurance. Donc en plus 3 ça suffit. C'est pas besoin franchement de le monter plus haut. Je vais aussi récolter quelques omnipierres. C'est important. Hop. Hop hop hop. Donc il doit être tout en haut comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Voilà, il est là. Donc vous voyez là il est sous terre, il est pas content. On vient le déranger. Donc allez c'est parti. Ouais, je vais juste exterminer un peu au début. Et après promis je le laisse tranquille un petit peu. Oh non relou. Allez, maintenant je le laisse tranquille. Donc regardez-le faire ses attaques. Sauf là. Mince. Allez, maintenant promis, j'arrête de le frapper. Regardez, je range mes armes. Donc une attaque par-ci par-là. Donc par contre, j'espère que le tigre va pas le tuer parce que je l'ai déjà bien amoché au bout de quelques secondes. Oh oh, non, ça pue. Donc ça c'est son attaque la plus casse-couille. Vous savez quoi, j'ai même essayé de l'interrompre. Oh nice, j'ai réussi. Hop. Ah, bon là ça a été un peu bugué, ça m'a repoussé au lieu de... je vais vraiment lui mettre quasiment aucun coup hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de le tuer. En fait j'attends qu'il passe en mode pas content pour vous montrer la suite de ses attaques. Parce que c'est aussi ça à la base hein, c'est vous montrer ses attaques. Bon, tu passes en mode pas content ou je t'ai pas suffisamment amoché? Bon, on va dire que je l'ai pas suffisamment amoché. Voilà, là t'es content? Ou t'en veux encore? Ah! Voilà! C'est bon, j'arrête. Tu te remets en boule ou pas? Dis-moi. Ah voilà, là il se remet en boule.
Donc là, ouais, vous avez la suite de ses attaques. Bonjour. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis une tombe. C'est pas vrai. Je suis là. Ah voilà, donc là il a fini de s'enrager, là il est retourne à son mode normal. Donc par contre là il va fuir. Non, reviens. What? Vous avez vu? Bon bah j'aurais dû le frapper peut-être un peu plus. Du coup il s'enfuit. Oh par contre il y a des champignons là-bas, ça m'intéresse. À la recherche de champignons. Je fais un petit détour, hein. C'est pas long, mais j'ai besoin de champignons. Ça a pas changé. Des champignons partout. Et zut, ça fait un saut. Voilà. Regardez, il est juste en bas. On peut le voir si je saute. Regardez, il est là. Coucou. 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 Allez, hop. Oh, tu saoules là. What? Ah, mais zut. Donc la ceste est une arme vraiment puissante, hein. Même en dehors du skarm. Regardez-le quoi. De la victimisation, vu qu'il casse toutes ses parties. Vraiment, hop là. Hop là. Bon, bah voilà, c'était le skarm. Cette vidéo a duré un peu plus longtemps que prévu, hein, parce que l'un de vos coéquipiers a-t-il des transmogs. Oui, c'était magnifique. Bon allez, sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !